Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo, du coup je me suis dit, je vous embarque avec moi encore toute une semaine. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez la diététicienne pour faire un petit bilan des 15 jours passés. J'ai pris mes petites filles, je note tout ce que je mange. Et du coup, on verra avec elle ce qu'elle va me dire. Faites pas attention à l'état de la maison. Il y en a deux partout. Le petit chien met ses jouets partout. Quand je rentre, je vais faire un nettoyage parce que là, franchement, c'est pas possible. Il y en a vraiment deux partout. Du coup, voilà. Là, il est 9h10. J'ai rendez-vous à 9h30. Je vais déjà me mettre en route. Ça va, je suis à 5 minutes, mais j'aime bien arriver à l'avance et non en retard. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure, je vous fais un petit débrief à la fin du rendez-vous. Après 5 minutes de route, je suis arrivée. Je vais à mon rendez-vous. Il y a des gens qui me regardent. Après le rendez-vous, j'essaierai de vous faire un petit débriefing de ce qu'elle m'a dit. Et aussi, si j'ai perdu du poids, je vous dirai tout en toute transparence, bien évidemment. Ici, j'étais à 81,5 kg, si mes souvenirs sont bons. On verra après 2 semaines où j'en suis. Je vous dirai tout. J'ai un peu peur, franchement, je suis un peu stressée. Je vais me dire, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai fait tout ça et que j'ai rien perdu ou... Enfin, je sais pas, je suis un peu stressée. En fait, je suis une stressée de nature, je remarque. Quand je fais les montages et tout, je me dis, mais en fait, t'es une stressée de la vie. Faut que j'arrête, faut vraiment que je me détende et tout, parce que là, c'est pas possible. Du coup voilà, j'ai un peu peur de ne pas avoir perdu de poids et d'avoir mangé sainement et avoir fait des sacrifices pour rien. Donc on verra bien, je vous ferai un petit retour quand je sortirai du rendez-vous. A tout à l'heure. Je me fais pas avoir. La dernière fois j'ai pris les escaliers. Non merci, c'est bon. C'est bon. Je prends l'ascenseur. Au moins, je suis tranquille. Elle m'inspire pas confiance, mais bon. Je viens de sortir du rendez-vous, j'ai perdu 2 kilos et quelques en 12 jours. Elle m'a dit que c'était au-dessus de la norme, donc je perds quand même assez vite. Elle m'a dit que niveau repas, ça allait, mais que je devais varier un peu plus, ralentir un peu les pâtes. Elle m'a également donné des idées de petit déjeuner pour éviter d'être trop frustrée, d'être trop restreinte après. Elle m'a également donné des recettes d'avril et de mai avec plein d'idées sympathiques, donc voilà, pour varier aussi les plats. Elle m'a également donné un papier avec les aliments conseillés et déconseillés, surtout par rapport à l'endométriose. Je suis quand même contente du fait que j'ai su perdre du poids. Maintenant, je la revois dans 2 semaines. On verra le bilan au bout d'un mois. Je suis contente. Franchement, j'ai encore stressé pour rien, comme d'hab. Elle m'a dit de faire un écart par semaine. C'est vrai que là, les 2 premières semaines, j'ai pas osé. Je me suis dit, je viens de commencer, je vais pas commencer à aller manger une frite. Mais bon, du coup, là, je pense que ce week-end, on ira se faire une petite crasse. Ça me ferait du bien. Et aussi pour éviter d'être trop frustrée sur la nourriture, manger tout ce que je trouve et ensuite reprendre le double. C'est pas le but. Donc voilà, là maintenant, je vais rentrer. Et je vais faire mon petit ménage parce que là, la maison, c'est une catastrophe. Il y en a deux partout. Enfin, voilà quoi. La routine habituelle. Voilà, voilà. Je viens de rentrer. Je vais m'attaquer un peu à la maison. Je vais ranger et lancer l'aspirateur robot. Ça, c'est vraiment un ménage rapide parce que là, j'ai pas trop le temps. Il faut que je bosse après et tout. Je vais ranger le linge. Le linge qui est encore mouillé, je vais le mettre un peu dehors. Et je vais débarrasser un peu, la table c'est du n'importe quoi et la cuisine c'est du n'importe quoi. Je vais enlever mon manteau, je vais boire un grand verre d'eau et comme ça je commence mon petit nettoyage vraiment très rapide. Bon allez, motivation, on y va, c'est lundi, on n'a pas le choix.
viens de ranger un peu la maison, j'ai fait un peu les poussières. Du coup, là, je vais lancer l'aspirateur robot. Comme ça, moi, j'ai le temps de préparer mes menus pour la semaine. Je suis en train de me refaire pour la énième fois Pretty Little Liars. Et j'adore cette série, c'est comme Desperate Housewives. Je l'ai fait une fois par an. Et du coup, devant la série, je vais commencer à préparer mes menus. Au moins, je suis tranquille. Et là, je lance le robot. J'ai sélectionné les pièces et maintenant je le lance. J'ai lancé le robot, il va faire son travail et moi je fais le mien. Petit repas simple et équilibré. Alors ici, j'ai pris de la salade mâche, des petites tomates cerises et quelques olives. Et je me suis fait une petite omelette à la courgette. Un repas sain, équilibré et pour faire bonne chair. Bonjour à tous, on est mardi. Aujourd'hui, on va se renseigner un peu pour les vacances. On avait déjà fait des devis. Du coup, là, on va aller voir. On est à Leclerc Voyage. Du coup, on va voir ce qu'ils nous proposent, s'il y a des nouvelles choses ou quoi. On verra bien. Bon, du coup, on vient de sortir de chez Leclerc Voyage et on a réservé nos vacances. Du coup, on part dans le sud, on part du 26 août au 9 septembre et on va à Roquebrune-sur-Argent dans le sud de la France. Bonjour à tous, on est jeudi matin, il est à peine 8h et me demandez pas pourquoi, j'ai une sacrée motivation à nettoyer ma voiture. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais quand même la nettoyer parce qu'elle est quand même pleine de poussière. Vu que c'est des sièges en tissu, je pense que j'irai faire le bisel chez mes parents plus tard. Peut-être cette semaine, je sais pas encore. Mais là, franchement, elle a vraiment besoin d'un bon nettoyage. En plus de ça, je dois rajouter les tapis et tout, enfin voilà. Je veux vraiment qu'elle soit bien propre. Parce que là, c'est même pas la peine. Bon, du coup, même si on est dans un vlog, je vous montre un peu ce que je vais utiliser. Je vais utiliser... Bon, faites pas attention, j'ai mis un peignoir, un pull, parce qu'il fait quand même un peu froid. Du coup, je disais, je vais utiliser le produit de chez Mrs. Meyer pour l'intérieur de la voiture. Pour les vitres, je vais utiliser le Pink Stuff spécial vitres. J'ai pris quelques microfibres. J'ai pris un petit plumeau. Des petites lingettes et mon aspirateur Ultenic pour pouvoir bien aspirer l'intérieur.
Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très poussiéreux. Ça va vraiment me changer. Déjà, elle est un peu plus petite. Et aussi, c'est du tissu parce que le cuir, je n'aime pas trop comme j'avais dans ma Golf. Parce qu'en fait, à l'été, à chaque fois, je me brûlais et c'est vraiment une horreur. Du coup, je préfère vraiment le tissu. Même si ça tâche, je me dis, c'est pas grave, j'ai le bicelle. Hier soir, j'ai déjà regardé un peu pour mettre des petites décos ici, mettre plein de choses qui font que ça soit vraiment une voiture pratique. C'est vrai que dans la Golf, j'ai pas pensé à le faire. Mais là, franchement, je me dis, déjà, j'ai pas la coudoir juste ici. Là, j'aimerais bien changer aussi, mettre une petite housse sur le levier de vitesse et sur le frein à main. Comme ça fait un peu plus propre. Je vais également changer les tapis parce que celui-ci, il est quand même abîmé. J'ai commandé un poste sur Amazon parce que celui-là, il me plaît pas. Enfin, en fait, il fait pas Bluetooth, donc ça me saoule un peu pour la musique. Ici, je vais nettoyer vraiment tout parce que franchement, c'est très très poussiéreux. J'avais besoin d'une petite voiture parce qu'en fait je ne sais pas du tout me garer. Je suis vraiment nulle en conduite. Du coup il me fallait vraiment une petite voiture. Bon, elle n'a que 4 places mais franchement ça fait l'affaire. Déjà je roule pas beaucoup et je prends jamais personne en voiture. On prend toujours celle Anthony. Mais du coup voilà, regardez, elle est quand même sale. Les sièges aussi, il y a quand même pas mal de tâches, donc ça c'est pas grave, je vais juste le faire au bicelle plus tard. Hier soir j'étais sur chaîne et j'ai vu des petits crochets qu'on met là pour mettre le sac. Du coup ça je vais tout commander pour que ça soit bien nickel. Bon allez c'est parti, on commence. J'ai mis mon petit Saint-Christophe sur mes clés. J'en mettrai un directement aussi dans la voiture avec un petit chapelet comme dans ma Golf. Pour une petite protection, je sais pas si vous aussi vous faites ça. Et moi à chaque fois, et ça je l'ai depuis le temps que j'ai mon permis. Donc ça fait à peu près 7 ans, 7 ou 8 ans. Du coup voilà, allez, je me motive, c'est parti. Vous pouvez voir, le coffre est petit, mais franchement, ça fait l'affaire. Ici, si je dois reprendre des boîtes chez mes parents ou quoi, j'ai juste à baisser les sièges et voilà, je mets les boîtes. Ou si pas, je mets derrière et devant, comme je faisais dans la Golf. Même si la Golf, le coffre était quand même largement plus grand. J'avais acheté ça chez Aldi il y a 3-4 mois et c'est vraiment bien pour le coffre. Il y avait en 3 ou en 2. J'ai préféré prendre en 2. Et du coup, là, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin. Ici, il y a tout ce qui est pour le premier secours. Ici, c'est des câbles, des nanas au cas où. Un cric, un bidon d'huile, un sac. Ici, c'est le triangle. Un produit pour les vitres. Et ça, c'est à remettre chez mes parents, du coup. Donc, ça, ah, ça c'est éclipsé. Bon, voilà, après... Et je me dis voilà, ça fait l'affaire. J'aimerais juste rajouter, c'est des petits paniers comme dans les voitures classiques. Juste derrière, j'ai vu que sur chaîne ils en faisaient, du coup ça je vais le faire. Ici je dois juste reclipser pour la ceinture, mais franchement là elle est nickel. J'ai juste à passer le bicelle quand j'irai chez mes parents, parce qu'ici à l'appart c'est compliqué avec les prises. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo organisation de la voiture. Là ça sert à rien parce que j'ai pas tout. Donc là, franchement, c'était juste un petit nettoyage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Du coup, voilà, maintenant, je vais rentrer. Tout est fait, je suis tranquille. Bonjour à tous, on est vendredi. Il est 9h50. Aujourd'hui, le programme va être plus que simple. Je vais débarrasser un peu la maison, je vais lancer les robots. J'ai pas envie de me prendre la tête. On est vendredi, moi, vendredi, c'est le week-end. Et c'est le week-end pour tout le monde. Je vais pas dire que c'est sale parce qu'hier soir avec Anthony, bon, on a débarrassé et tout. Mais là voilà, j'ai fait le petit déjeuner, je dois refaire le lit, faire la salle de bain. Enfin voilà, là je suis encore en pyjama, mon peignoir, vous savez, moi j'adore mon peignoir.
Je suis une grande fan des peignoirs. J'aimerais bien me trouver un petit peignoir pour cet été. On m'a dit chez Undies et Primark. Donc j'allais voir si je commanderai encore sur Shein. Voilà, bonne raison pour commander, bien évidemment. Du coup, le programme d'aujourd'hui va être simple. J'ai mes cils à faire. Là, j'en ai encore pas mal. Là, j'en ai moins. Pourtant, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai eu mon rendez-vous. Ça fait un peu plus d'un mois et ça tient vraiment bien, donc je suis contente. Ici, je vais juste refaire le remplissage. Je fais le volume mixte. Cet été, je pense faire le volume russe, un peu plus fourni, pas vraiment comme on peut voir sur Instagram avec les balayettes. Non, elle les fait vraiment très bien et c'est vraiment de la qualité. Ça fait pas trop fourni, ça j'aime pas du tout, ça fait quand même naturel. Et c'est ça que j'aime bien. Du coup, c'est ma voisine d'en face, donc je risque pas d'être en retard. J'ai rendez-vous à 13h15. Là, comme je vous ai dit, là je vais juste débarrasser, ça va me prendre 15 minutes à tout casser. Ensuite, je lance les robots et voilà. Je pense sortir du rendez-vous vers 15h, 15h15, vu que j'ai énormément de cils et on parle beaucoup, donc c'est vrai que des fois ça prend un peu plus de temps. Du coup, Anthony, lui, il finit à 15h. À 15h30, il va à la piscine. Vu que c'est à côté, ça va. Il rentre vers 17h, 17h30. On mange en général vers 18h, 18h30, mais le repas est déjà fait. Donc, je n'ai pas à me prendre la tête pour ce midi et pour ce soir, c'est fait. Et ensuite c'est tout, franchement on n'a rien de prévu, on compte pas sortir ce soir, je pense qu'on va faire une soirée télé, Netflix, comme on aime bien se faire. Là il commence à faire beau donc ça fait vraiment du bien. Hier j'ai nettoyé ma voiture, comme vous avez pu voir j'ai changé de voiture, j'ai vendu ma Golf pour prendre une petite Audi. Bon c'est une voiture très simple mais elle était très sale. Hier je l'ai nettoyée, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne pouvais pas passer de bicelle parce qu'en fait vu que je suis en appartement, ça va, je suis au premier étage, mais la prise est trop courte, donc je pense aller demain matin chez ma mère faire le bicelle dans ma voiture parce que les sièges, enfin voilà, sont très poussiéreux et tout. Et vous le savez, c'est tellement satisfaisant de nettoyer des sièges de voiture complètement sales avec le bicelle. L'eau va être noire, je vous filmerai un peu ça. Du coup, le temps que les sièges sèchent, moi je mangerai sûrement chez ma mère du midi. Anthony, le samedi matin, il aime bien jouer un peu à la play, donc je vais en profiter pour aller. Du coup, voilà, donc le programme d'aujourd'hui va être vraiment très simple. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, je reviens de mon rendez-vous. Regardez, c'est trop beau. J'adore. J'aime trop. Ils sont bien fournis et tout. J'adore. Allez, bonne sieste. À tout à l'heure. Non. Non. Mon petit cœur. Coucou, qu'est-ce que tu fais là? Shadow et le soleil. Toujours. Il adore le soleil. Préfère être sur le tapis que dans son panier. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous. On est samedi matin. Je vais partir à Kalimoto nettoyer ma voiture. Je vais faire l'extérieur et aspirer un peu à l'intérieur. J'ai dit, j'ai pas les aspirateurs adaptés pour la voiture. Du coup là je vais vraiment faire en profondeur, comme ça elle est bien propre et je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Bon, du coup j'ai mis mon ancien poste ici, j'ai laissé ça pour mettre mon téléphone, je mets ma prise pour la musique, l'embout je l'ai pris à la Fnac pour 9,99€ et ça sert parce que sinon c'est une prise comme ça et sur les iPhones il n'y a pas. Du coup j'ai mis ce petit embout que je mets sur mon téléphone pour la musique et je le mets en auxiliaire. Le soleil tape, du coup je mets mes petites lunettes qui viennent de chez Shein. Bon, je vais les nettoyer un petit peu et ensuite je les mets. Alors ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, ça me donne vraiment le mal de mer. Ah, je déteste ça, déjà j'ai galéré à me mettre sur le petit palier parce que d'habitude c'est Anthony qui y va à ma place. Mais bon, j'aime pas du tout.
j'ai chaud. Ah ouais, ça m'a donné mal à la tête. D'habitude c'est Anthony qui va à ma place parce que je déteste ça. Et là Anthony est juste devant moi donc il peut pas aller à ma place. Regardez là, ça me rend malade. C'est parti pour aspirer la voiture. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say. Voilà, du coup elle est bien propre, je suis contente. Voilà, il manque plus que le bissel sur les sièges et là ça sera parfait. Là j'ai vraiment fait les moindres recoins, vraiment tout ici en dessous. Et là c'est bon, on peut y aller. I'm moving closer to you now. I can't get close enough some. Franchement je suis trop fan de ma nouvelle voiture. Elle est trop bien, ça me change de la Golf. Bon, je remets mon poste. J'enlève toujours pour la batterie, j'ai eu le coup une fois avec la Golf, du coup je me fais plus avoir. J'ai terminé de laver ma voiture, du coup j'attends qu'Anthony termine et ensuite on va partir vite fait en ville faire un petit tour. Un petit tour comme ça. Bon, moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, direction chez mes parents pour faire le bissel dans ma voiture. Il fait super bon, donc ça va sécher quand même assez vite. Bon les filles, je suis arrivée chez mes parents. Du coup, j'ai pris le bissel et je vais le passer directement sur les sièges. Ça va être mon programme de la journée. Waouh, quel programme, laver sa voiture. Mais bon voilà, au moins je suis tranquille et je pense que je ferai le bissel une à deux fois par an. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. J'ai terminé de passer le bissel, là maintenant je vais attendre que tout sèche parce que c'est quand même un peu mouillé. Mais là franchement c'est bien propre. Du coup cette semaine j'ai fait quand même pas mal de choses sur la voiture. Je suis contente. Je vais retrouver Anthony et mon petit chien. Bon, toujours la même rengaine. Là, on va au restaurant et du coup, je ne sais pas quoi mettre. Il fait bon, mais ensuite, après, on fait un billard. Du coup, je voulais mettre une robe, mais je me suis dit, pour un billard, c'est pas trop adapté. Du coup, je ne sais pas. Franchement, je sèche. J'ai pas envie de remettre les mêmes choses que d'habitude. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Ce que je me dis, c'est quand même court pour faire un billard et j'aime pas, je suis pas à l'aise. Franchement, je sais pas. J'en sais rien.
ça me gonfle. C'est vraiment la question qui me gonfle tous les jours. Qu'est-ce que je vais mettre? À la base, je voulais mettre cette robe-là. Ici, comme ça. Avec les manches transparentes. Mais au final, non, c'est pas adapté pour le billard. Pour le restaurant peut-être, mais pas pour le billard. Là, pareil, c'est encore une robe assez courte. Enfin, quand je dis courte, on s'est compris. Je sais pas. Franchement, aucune idée. Bon, on va encore chercher pendant des heures. Bon, les filles, je vous montre un peu ma tenue. Faites pas attention au bazar juste derrière. Il y en a vraiment de partout, mais bon, on s'en fiche. Du coup, j'ai mis un petit t-shirt noir basique, un jean et mes compensés. Bon, quelque chose d'assez simple pour aller manger au resto et pour faire un billard et aller boire un verre. Ça reste une tenue très, 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 très simple. Mais on va dire que ça fait l'affaire. Lui, il est là. Coucou. Tu fais coucou? Non. Tu fais pas coucou? Tu dis bonjour? Non. Lui, il veut que des câlins. Du coup, voilà. Nous, on va se mettre en route. J'ai fait un petit maquillage vraiment léger. Petit rouge à lèvres. Un peu de blush. Mes cheveux... Bon, franchement, je n'ai plus comme avant. Du coup, j'ai laissé un peu comme ça. Ça fait l'affaire, quoi. Bon, à tout à l'heure. Regardez-moi ce beau gosse. Salut. Salut les filles. Coucou les loulous. Comment je dis? Je sais même plus comment je dis. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est bien. Tu ferais un bon youtubeur. Hein. Ouais. Viens-moi. Tout à l'heure, je lui ai coupé ses cheveux. On a été acheter une petite tondeuse. Et du coup, je lui ai fait. Ça fait trop bien. Bon, là, on a fait un petit peu plus court et ça va encore mieux. Montre un peu. Regarde. Ah ouais, ça fait mieux. Non, en même temps, j'ai plus de cheveux. Alors... Ouais, aussi. Mais non, c'est mieux. J'ai oublié mes lunettes à la maison. Du coup, j'ai pris les deuxièmes paires. C'est celle de chez Shane. C'était la deuxième pour à peine 3 euros. Regardez, elles sont vraiment belles. J'adore. Le modèle est vraiment beau. Du coup, vu qu'il fait quand même assez beau, je mets les petites lunettes. Faudrait que je t'en commande sur Shane des lunettes. Mm-hmm. Bon, peut-être pas des comme ça, mais. Mais les plus belles. Bon, on se met en route. C'est parti. Ouais. C'est qui fait le DJ? Ouais. Non, c'est moi. On s'ambiance ou pas? On est arrivé au restaurant. Du coup, on va faire bonne chère. Oui. Qu'est-ce que tu vas prendre? Je sais pas. Comme d'hab? Non, là, je sais pas. Bon, du coup, on est à Delarte. On adore ce restaurant. C'est vraiment trop, 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 trop bon. Regardez comment il est beau. Tu es trop bien habillé. Ça te va bien? Merci. Sur un classique, on prend toujours la même chose. Trop trop bon. Bon app. Bon app, mon cher.
On se retrouve au billard, sachant que je ne sais pas du tout jouer au billard. Tu vas m'apprendre ? Oui. Je peux te battre ? Allez, non, merci. De rentrer. T'en as pensé quoi de cette petite soirée? C'était cool, j'ai bien aimé. Et le billard? J'ai gagné deux fois, mais t'as gagné une fois. Ah, ah mais ça. C'est déjà ça. Hein. Ah bah ouais. Allez, on va rentrer, on va retrouver le petit chien. Le petit chien. Coucou. Coucou, petit chien. Tu vas au pipi? Bon, on est rentré, il est 22h. Je vous dis à demain. Il est 14h. Je vais me mettre en route pour aller voir Anthony jouer au foot. Il a un match de foot et c'est un match de couple. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même aller le voir. Du coup, là, j'attends les copains Anthony qui vont venir me chercher parce qu'on a à peu près 30 minutes de route. J'ai mis une petite combi avec des petites chaussures. J'aurai mon sac noir, donc ça va. Ça va pas trop clocher au niveau couleur. Je suis passée vite fait chez Action prendre quelques trucs pour la voiture. J'avais pris ça pour le volant, mais au final, ça ne va pas. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Bon, du coup, je vais attendre que les copains Anthony arrivent et je me mets en route. Bon, j'ai fait une petite queue, j'ai mis quelques petits bijoux, bon, simples. Et aussi pour que je sois à l'aise. Parce qu'il fait quand même assez bon et je peux vous dire que ça fait du bien. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je vous dis peut-être à ce soir ou à demain. Je voulais aussi vous montrer, j'ai acheté des petites lunettes sur Shein. C'était deux paires pour à peine 3,50€. Du coup, j'en ai profité pour le beau temps et voilà. Vu qu'il fait bon, j'en profite pour mettre mes petites lunettes de soleil. Je n'ai pas eu le temps de vous reprendre en vidéo parce qu'on est rentré quand même assez tard. C'est vrai que j'étais très fatiguée, le temps de manger, prendre sa douche. Enfin voilà, il était quasi 23h. Du coup, je clôture ce vlog maintenant. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours, que ça soit positif ou négatif. J'ai vraiment hâte de vous lire. Nous, on se retrouve samedi à 10h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, c'est important pour moi et aussi pour l'algorithme. Comme vous le savez, c'est très compliqué YouTube, donc n'hésitez surtout pas et n'oubliez pas de vous abonner. C'est rapide, c'est facile et c'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant et en activant la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Ciao! Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels